Bonjour, bonsoir, salut, c'est SugoGeek. Je fais juste cette apparition vite fait pour vous expliquer cet épisode 0 de cette aventure Let's Play que j'ai prévu. Car si vous voulez, si vous avez vu la vidéo où j'expliquais pourquoi je pouvais pas streamer, etc., c'est que au début je voulais le faire le stream. Mais à un moment j'ai eu l'idée de faire un truc assez nouveau pour le mettre du coup sur YouTube, c'est-à-dire faire un Let's Play amusant et raconter une histoire en même temps. Alors évidemment, je préfère mieux assumer l'inspiration que j'ai eue, donc c'est grâce à l'inspiration aussi de Let's Play narratif avec le joueur du grenier et l'inspiration des Let's Play Poop qui faisait un de lunatique avec la Mario et la porte MDR. Donc c'est pour ça que je fais un épisode 0, car là pour l'instant c'est juste la création du personnage. Donc voilà, vous allez peut-être voir des trucs extraordinaires dès cet épisode 0 et que peut-être par la suite ça risque d'être un peu moins, car vu que je sais pas combien de durée je vais faire pour un épisode la totalité, je pense faire environ peut-être 30 minutes et ensuite essayer de raconter l'histoire pour essayer de le raccourcir à peu près à entre 10-20 minutes. Donc voilà, donc si vous avez des avis à partager sur ce premier épisode, j'attendrai votre retour et vers la fin de la vidéo il y aura une fiche pour dire est-ce qu'on le fait ou on le fait pas, parce que moi j'ai bien envie de faire cette aventure avec un côté narratif et un côté amusant à la fois, et aussi parce que je suis très fan du jeu de base sur la première console qui était, donc j'ai bien envie de faire une aventure rigolote sur ce jeu. J'ai tout dit, donc je vous dis bonne vidéo et j'attends vos retours. Voilà, allez, bonne vidéo. Qu'est-ce qui m'arrive? Où suis-je? Bienvenue, voyageur. Qui vous êtes? Voici le portail qui mène au monde des Pokémon. Des Pokémon? Avant de vous laisser entrer, j'ai quelques questions à vous poser. Je sais pas où je suis, mais je vais répondre à vos questions du coup. Je veux que vous y répondez avec sincérité. D'accord, je vais essayer de répondre avec sincère. On peut commencer? Ouais. D'accord. C'est parti. Vous considérez-vous comme quelqu'un de cool? Je dirais absolument, en vrai, hein. Avez-vous tendance à imaginer des choses pour vous amuser? Oui, je suis très créative, hein. Écoutez, hein. Vous trouvez un portefeuille dans la rue. Que faites-vous? Je vérifie qu'il n'y a personne autour pour que je puisse savoir si c'est pas quelqu'un d'autre. Quand vous allez vous coucher, laissez-vous la lumière allumée. Quand j'ai la possibilité d'allumer une autre lumière, mais normalement je laisse pas la lumière allumée, sauf quand c'est pour aller manger. Les vacances d'été commencent. Où aimeriez-vous aller? Ça va être égal tant que je peux aller chez moi. Êtes-vous souvent en retard? Ouais, je suis souvent en retard pour des montages, pour pas mal de trucs, donc bon. Vous gagnez à la loterie, youpi! Que faites-vous de l'argent? Je le mets de côté, je dirais, parce que si par exemple j'ai un karma, etc., bah ça peut être utile en cas de secours. En vous enfermant par erreur dans une pièce plongée dans le noir, que faites-vous? Eh bah, je dirais. Je pense que je pleurais. Voulez-vous incarner un garçon ou une fille? Je crois que ça s'entend ma voix, je crois que je suis un garçon. Ah bon? Vous êtes plutôt du genre impertinent. Vous avez tendance à être cynique. Malgré cela, vous êtes quelqu'un de plutôt sympathique. Vous faites parfois preuve d'arrogance, ce qui peut blesser les autres. On vous trouve souvent un peu modeste, snob ou égoïste. Vous entendez ce genre de reproche, n'est-ce pas? Hein? Est-ce que j'ai bientôt fini? Qu'est-ce que c'est cette question? Pardon, je suis un peu soupolé. Personne n'est parfait. Voilà, c'est tout. Bref, où en étais-je? Votre attitude altière vous rend à la fois désagréable et sympathique. Quelqu'un d'impertinent comme vous doit être un narco. Dans cette aventure, vous serez un narco. Cela vous convient-il? Pas vraiment. Très bien. Alors... Attends. T'as dit pas vraiment.
Bah oui, j'ai envie que ce soit mon pote, quoi. C'est parce que... voilà, quoi. Non, attends. T'as l'air franchement très franc, t'as répondu correctement à mes questions, et au final, le Pokémon te plaît pas ? Écoute, s'il y a autre chose dans comme stock, je le prendrai. Mais Arceus, c'est pas trop mon style. Attends, c'est-à-dire que j'ai foutu 3 heures à te réveiller, et en plus, tu m'envoies emmerder parce que je t'ai mis un putain de Pokémon qui te plaît pas ? Bah, qu'est-ce que t'as en stock, du coup, j'ai envie de te dire. Bon, ça va, allez. Quel Pokémon souhaitez-vous incarner ? Voulez-vous prendre ce Pikachu ? Non, c'est surcoté Pikachu, désolé. Bon, bah très bien. Hein. Alors, vous voulez plutôt Salamèche ? Bah, non plus, hein, il est moins surcoté que Pikachu, mais... Voilà. Bon, bah tu vas prendre un Evoli parce que t'as fait un let's play sur ce dessus. J'ai peur de traumatiser un monteur. Ah ! Bah alors tu vas prendre juste une putain de chatte. Mais putain, on se calme ou quoi ? T'as qu'à prendre le chocobo là alors. Mais je peux avoir une pause de café pour expliquer ce qui se passe ? Bon, tu veux cette petite merde alors ? Bah oui. Attends, tu te fous de moi ? Bah, excusez-moi, mais quand j'ai joué à mon premier Pokémon, bon, je l'ai vu. Bon, ok, cool story. Dans cette aventure, vous serez un Kubo. Cela vous convient-il ? Voici la dernière étape. Choisissez votre acolyte. Qui sera votre partenaire ? Voulez-vous avoir un partenaire Pikachu ? Non putain, c'est surcoté. Alors bah vas-y, tu veux prendre qui ? Attends, tu te fous de moi ? Bah désolé, mais j'ai dit avant que je voulais être son ami. Ah d'accord, c'est-à-dire que maintenant, c'est toi qui décides et moi je suis une pauvre merde quoi. Je te réveille tranquille et toi tu fais oh non, désolé, c'est mon choix. Bah excuse-moi, mais... Ah là 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 là, monsieur, il a envie de faire ses choix, là là, il va faire un thread sur Twitter. Enfin bref. Voulez-vous que votre partenaire soit un garçon ou une fille ? Un garçon. Comment s'appelle votre partenaire ? Attends, tu te fous de moi ? C'est juste pour faire un putain de jeu de mots avec un ami qui s'appelle comme ça. C'est j'ai vraiment un ami qui s'appelle Marco, et ça s'écrit comme ça, hein. Bon, enfin, bref. Ce duo vous convient-il ? Bah, du coup, je confirme mon choix, hein, j'ai fait tout ça pour ça. Et voilà, tout est prêt. Il est temps de vous envoyer dans l'univers des Pokémon. En avant.